Donc, salut c'est Nooks, on se retrouve pour un let's play sur Halloween. Non, qu'est-ce que je dis? Punaise! On se retrouve pour une petite vidéo en l'honneur d'Halloween, puisque c'est Halloween et que moi j'aime Halloween. Enfin, j'aime la fête, hein, j'aime pas trop me faire peur. Parce que, il faut savoir que je ne suis pas... C'est pas que j'ai peur de certaines choses, enfin si, j'ai peur de beaucoup de choses. Mais c'est surtout que j'ai peur d'avoir peur. Et ça, c'est vraiment la pire des peurs. Vous pouvez pas jouer un... Quand vous avez ça, vous pouvez pas jouer un jeu d'horreur. Hop. Là, je vais jouer à Alien Isolation, le mode survie, parce que j'ai pas envie de faire une aventure entière, faut pas déconner. Et ce mode, il est dur, je crois que je vais jamais arriver au bout. Et bon, je vous le garantis pas, mais à mon avis, mes réactions risquent d'être assez épiques. Donc bon, on va essayer. Hein, on verra bien ce que ça donne. Alors, il me faut un petit bout de temps parce que j'ai pas joué. Je me suis dit, est-ce que je fais une partie à froid d'abord pour voir un petit peu comment ça, si j'arrive pour retrouver mes réflexes. Puis j'ai dit non, ce sera plus rigolo de me voir galérer en vidéo. Parce qu'après tout, vous aimez tout ça. Donc, je retrouve un peu les petits mouvements de base. Oula, les petits lags. Donc, il me semble que c'est pour s'accroupir. C'est assez important. Ça, c'est pour... on n'a pas une larme là, non? Genre... Oui, on a un lance-flamme. Ok, on va récolter même si ça sert, je crois, à strictement rien dans ce mode de jeu. On a normalement le détecteur de mouvement. On peut toujours se cacher dans les casiers. Parfait. Bah écoutez, et F c'est la lampe de poche. Bah écoutez, here we go. Normalement, ça c'est pour contrôle, c'est pour courir. Non, c'est pas pour courir, contrôle. On se met accroupi parce que normalement l'alien est juste là au début. Pince, mais il est où? Ah, il m'a pas vu. Je suis à discrétion. Je suis à discrétion. Il est là. J'ai dit je suis à la discrétion. Discrétion. Putain, il a mis du temps celui-là. Bon. On va essayer de voir où il va. Normalement, il va monter dans une... Ok. C'est bruit de pas. En plus, j'ai le casque qui est très très bonne qualité. Ce qui fait que j'entends les bruits très très fort. Et vous l'avez vu, il est là. On va le suivre. Alors je sais plus les objectifs du jeu. Je sais qu'il y a des objectifs, mais je pense honnêtement qu'on va juste essayer de suivre le maximum parce que j'arrive jamais à faire ces objectifs. Je comprends pas tout. Faudrait un jour que je les essaye, mais là c'est pas le but. Le but c'est voir un truc. Donc on va le suivre tranquillement parce que finalement c'est comme ça qu'on va pouvoir survivre en sachant toujours où. Putain. Comment on court? Ah! Je crois que j'ai été grillé. Voilà, il est parti. Mais je crois qu'on l'a énervé. Alors, on va partir dans les conduits. Alors, oui, oui, je sais, c'est la meilleure idée du monde. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas vu les films Alien, je vous les conseille. Bon, à pas se mentir, certains sont meilleurs que d'autres. Mais bon, il faut tous les voir au moins une fois, je trouve. Parce qu'ils sont vachement sympas. Ah oui, merde, ça s'est brouillé dans les conduits. Oh, oh. On va sortir de là. Parce que je ne suis point rassuré. Cette musique, non. Ah! Merde, je l'avais pas vu passer à moi. Ah merde! Ah, je l'avais pas vu passer derrière moi, il était rapide. Ah. C'est vrai qu'à première vue, ça peut paraître décourageant. Bon, bah, je crois que je suis mort. Hein. Dur de survivre à ça. Première mort. Bon, j'ai eu modérément peur. Je suis pas très doué, il faut encore. Je savais plus comment sprint, faudrait que je fasse test. Il me semble que c'est mage. Hein. Ok, c'est mage pour sprinter. Ok, on y retourne. Séquence. Allez, survie. Mode survie, scène 2. Il entend ce bruit, donc faut faire gaffe. Putain, je vous conseille Alien Isolation à faire le jeu. Putain, j'avais pas vu le cadavre. De faire le jeu complet. Il est vraiment, vraiment sympa. Et niveau flip, je peux vous garantir que il vaut son pesant de cacahuètes. Est-ce que je peux aller dedans? Ok, donc là, c'est juste pour traverser. Ok. Ah! Bonjour. Dégage. Bon, on peut pas faire ça à l'infini du tout. Hein.
va se courrier de passer. Putain, il est partout à la fois, c'est atroce. Là, on est en plus dans un espace assez confiné. Ah merde, je construis pas assez ça. Je vais essayer de trouver une planque. Pas de planque là. Ok, il est par là-bas. On va y aller doucement. Très doucement. Doucement. On continue tout doucement. Alors, je sais pas si cette vidéo sortira le 31. Le 31 octobre, ou peut-être se cacher un peu. Parce que je crois qu'il est tout frais. A priori, ça va. Non, il est juste à côté. Je crois qu'il nous a reniflé, merde. Je crois qu'il nous a vu, il reste trop longtemps là. Ah. Non, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Non, sérieusement. Mais non! 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 Ah merde, j'ai pas retenu ma respiration, j'aurais dû. Bon ben, RIP. Il faut voir aussi le bon côté, la motivation reste intacte. Et ça, c'est formidable. Ouais. Je suis pas très doué pour les jeux d'horreur. Ou de survie. Ou en général, les jeux. Bon, enfin bon. Donc, c'est un échec critique. C'est ce qu'on appelle un échec vachement critique. Ça serait bien qu'on arrive vraiment en fait à savoir où il faut aller. Ben, je vais consulter ce plan une fois que je serai à l'intérieur. Donc, consultons le plan. Il n'y a pas de plan. On va devoir se fier uniquement à là. Ok. Cette fois, on va essayer de faire les objectifs. On va essayer. Même si vous voyez, il y a du temps et ça passe très vite. Collect deux cues de cartes. Ok, des cartes. Delete the system. Ok. Niveau intelligence, je suis pas super malin. En fait, je suis pas étudié pour la survie. C'est pas possible. Ok. Putain, c'est pas, me fais pas peur comme ça le jeu. J'ai l'impression d'être dans Fort Boyard là. Ok. Fuite, 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 fuite. Il peut me choper par les pieds, donc on va se méfier. Allons-y. Mais ça, c'est un peu buggé, je trouve, le système. Moi, si j'étais dans un vaisseau comme ça, je me trouverais une pièce, je me planquerais et je bougerais plus de la vie. Hein. Ah, c'est mort. Peut-être que le nom a trouvé quelque chose. Ah. Ah, là-bas, il y a quelque chose. On me signale que l'objectif est par là-bas. On va y aller. Là, on s'en fiche un peu de l'alien. On y va en mode sans peur. Ouais, oh. Quoi? Oh non! Oh non, mais j'étais caché! T'as pas compté jusqu'à 50. T'as pas compté jusqu'à 50. En tout cas, personne ne songe à baisser les bras, et je crois que nous devons nous en féliciter. Voilà, jouer à cache-cache avec un alien, je vous jure. C'est un compliqué. Oh là 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 là, on n'est pas très doué. On n'est pas très doué. Je pense qu'on va faire encore une ou deux parties, on va s'arrêter là, hein. C'est une petite vidéo courte. Après, si vous voulez que j'en refasse. Y a pas de souci, on en refera. J'ai modérément eu peur parce que chaque fois il m'a pas vraiment par surprise. Je vois à peu près où il est en fait. Coucou petit, c'est ça. Non, il est encore là. Il y a sa queue. On va se cacher. Ok, on commence à l'étape 1. Étape 1. On va à l'opposé
D'où il est allé? La base. Étape 2. Regardez le plan. Étape 3. Désespéré pour cause d'absence de plan. Étape 4. Voir si on ne peut pas récupérer du matos. Attends. Quoi? T'es où? T'es là. Coucou. Cours. Plus de jus, plus de jus, plus de jus. Mais ah, il m'a laissé en vie. Putain, il est généreux. Ok. Ok. Ah, il me semble qu'on peut se cacher sous ces trucs comme ça. Non, on peut pas. Oh, ça peut être intéressant, je suis peut-être dans la bonne zone. Non, non. Eh merde, la lampe de poche. Tu ne m'as pas vu. Voilà, moi je suis en PLS sous un sous un bureau et on attend. J'aimerais bien qu'ils mettent, en fait, j'aimerais beaucoup qu'ils fassent ce mode de jeu mais à plusieurs. Ça peut être sympa de voir qui survit le plus longtemps. Une sorte de cache-cache mais d'horreur. Je sais pas si ça existe. Dites-moi si vous savez, hein, c'est intéressant. Eh merde. Bon, bah, plus de jus. C'est la mort. Mort pas particulièrement agréable, je vous avouerai. Allez, on fait un dernier essai. Et on arrêtera la vidéo là. Parce que le plus, c'est pas que ce soit une vidéo de 3 plombes. C'est juste pour fêter un petit peu Halloween. Parce que j'aime Halloween. Ok, c'est parti. Il a shooté là-dedans? Il joue au foot. Ouais, il nous avait capté. Ah, il est loin à détente, hein, quand même. Pas se le cacher. Mais en tout cas, lui a fait peur. Alors, on court. Réflexe de base, hein, quand t'as la trouille, tu chantes. Enfin, tu chantonnes est un terme plus exact. Ici, on a fouillé. Il n'y avait pas ce qu'on cherchait. Donc, on continue. Mais c'est tout droit. Ok, ensuite. Ah! Il est tout prêt. On se cache. Ok. On se cache pas. Alors, ça doit pas être super agréable. Je vais pas vous mentir. Bon, en même temps, on s'est pas fait infecter par un facehugger et ça, c'est cool. Fort bien, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. J'ai pris assez cher. Là, je me suis un petit peu retenu de hurler, mais il y a des moments où j'ai eu envie. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors, clairement, vous attendez pas à beaucoup de jeux d'horreur parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai une trouille bleue d'avoir la trouille. Donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu, c'était pour marquer le coup, rien d'exceptionnel. Vous faire peut-être découvrir ce jeu si vous ne le connaissez pas, même s'il est quand même assez connu. Ah oui, c'est vrai, on peut taper avec une clé à molette, d'accord. Et en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et un commentaire si vous voulez que j'en fasse quand même un ou deux épisodes, ou même que je tente un let's play de cette série, même si je suis extrêmement mauvais, que j'arrive jamais, je me paume tout le temps. Bonjour. T'es où? Et il est censé être là, hein. Allez, sur ce, on se dit à la prochaine. C'était Nooks. Et c'est fini.